Les jeunes boulistes de Ravier et des environs ont confronté leur performance hier dimanche au bar Le Flambeau de Ravier. C'est à la faveur d'une grande compétition de pétanque que Narcisse Kogbe, jeune leader du Bloc républicain, a organisé pour favoriser les jeunes de Ravier et les encourager à sortir de l'ombre. J'ai organisé cette compétition pour deux raisons. Premièrement, c'est pour la visibilité des jeunes qui ont l'habitude de jouer pétanque dans l'avant. C'est pour encourager les jeunes boulistes de Ravier. Cette compétition, organisée sous le haut parrainage des leaders incontestés du Bloc républicain de la 6e circonscription Corneille Atinéou, l'honorable Nathanaël Sokwepe et du conseiller municipal d'Abomey-Calavi, Brice Adonon, a également reçu l'appui technique de la Fédération béninoise de pétanque. Le choc a été rude entre amateurs et professionnels de pétanque avec au total 75 équipes, soit plus de 140 pétanqueurs. À l'issue de la compétition, c'est l'équipe Fraternité PC qui a remporté la victoire avec une récompense de 100 000 francs. Elle s'est fait suivie par Prestige Pétanque Club qui a reçu 50 000 francs CFA. La victoire choisit son camp, mais nous partons vraiment très heureux d'avoir quand même participé à cette prestigieuse compétition. C'est toujours un plaisir pour nous de venir nous distraire. Déjà, la pétanque, c'est notre passion. Et donc, le fait d'être là, d'avoir juste participé, c'est déjà vraiment une grande satisfaction pour moi. Ce tournoi est un tournoi qui rassemble beaucoup de joueurs et qui fait aussi la promotion des jeux. En finale, il y a quand même une équipe, une bonne équipe, une très bonne équipe, habituée des terres. La cérémonie consacrant le lancement officiel de ce jeu en doublette a permis aux acteurs de se prononcer. C'est une très belle initiative et c'est pour ça qu'au lancement, tout à l'heure, je disais que c'est une compétition de pétanque que nous aimons aussi. Il y a beaucoup de professionnels boulistes, vous dites non, qui sont dans le groupe. Et nous promettons que très prochainement, nous allons organiser cette compétition dans presque tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Moi-même, je suis bouliste d'ailleurs. Et si je suis invité ici aujourd'hui en tant que leader de l'UPR et en même temps pétanqueur, vraiment, je suis très content de ce jeu et qu'on doit très souvent améliorer et faire de ça vraiment la première discipline peut-être pour le Bénin. C'est un plaisir pour moi de voir s'organiser une telle compétition chez nous. Ça afflue du monde, ça nous change de l'isolement et c'est un sport que j'aime, que j'apprécie. Ça mérite qu'on encourage. La pétanque, ça fait partie de mon sport. Je suis arrivé là, prendre la coupe. C'est une joie qui m'anime. Quand mon confrère m'a appelé qu'il veut organiser une équipe pétanque sur notre terrain, j'ai beaucoup aimé. Je souhaite que mon club puisse évoluer. Cet événement est un événement très accueillant. Paris gagné, Narcisse Kogbe n'a pas manqué de remercier tous les joueurs et tous ceux qui l'ont accompagné dans l'organisation de ce projet.